Sur des choses vaines et fausses. On conçoit le mal, on enfante le crime. Les œuvres ont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans nos mains. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Oh, nous gémissons comme des colombes dans la nation. Je vous donnerai du repos, a dit l'Éternel. L'Éternel des armées. Revenons à lui, car il détient tous les trésors du monde. Toutes les solutions sont entre ses mains. S'il y a des cris d'angoisse, s'il y a des troubles, s'il y a des ha, par-ci, par-là, de ce monde,
que nous, les dirigeants, nous, les leaders, nous sommes en grande partie responsables de ces souffrances. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui se loigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel. Oh Tchad, mon pays, que Dieu te prenne en garde. Amen. Amen. Amen.